Elle est énorme, cette grotte. Echo. Allez, allons explorer la grotte. Ok. J'ai fait une blague, c'était pas l'écho, c'était moi. Tu es une vraie petite comédienne, Miss Fortune. Merci. Qu'est-ce que vous avez vu? Attendez, je peux peut-être... Wow! Oh non! On dirait que l'entrée est bloquée. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait continuer à explorer la grotte. Oui, on n'a qu'à faire ça. On va explorer... Oula! The fuck? C'était quoi ça? Quoi? J'ai raté quelque chose? Je ne suis pas sûr. Ah, c'était un hamster en voiture, là, ce que j'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Une fête de hamster? Une fête de hamster magique. Je sais à quel point tu aimes les fêtes. Ça, c'est vrai. On peut entrer à l'intérieur? Je ne sais pas. Allons voir. Donc là, on arrive à une fête de... Wow, une bagarre de hamster! Est-ce que tu comptes faire quelque chose? Ça commence, c'est déjà un choix. Combat de hamster clandestin, bah bravo. Alors non, c'est une fête de hamster magique. Et là, il y a une bagarre qui s'est faite devant le... En fait, c'est un voleur, je crois, qui est en train de se taper avec un mec, en fait, qui l'a arrêté. Mais tu fais trois fois la taille du hamster! Oui, mais je suis une gamine qui est un peu conne aussi, hein. Faut pas oublier, hein. La meuf a quand même réussi à tuer un chien avec une balle dans un arbre. Bah go. Faut pas vous battre, voyons. Vous devez vous faire un bisou ou vous demander pardon. Voilà, comme ça. Oh mais non, partez pas. Vous avez fait tomber quelque chose. Elle les a fait s'embrasser. C'était trop mignon et tellement drôle. De la mettre. Non mais complètement, en plus je crois que c'est ça. Oh putain, c'est ça. Oh, c'est des bonbons à la menthe. Je vais en prendre un pour avoir l'haleine fraîche. Non. Je suis une petite lady, tu sais. Non, t'en prends pas. Oh putain, elle en a pris. Oh. Wow, je me sens trop bien. Oh putain, elle est droguée. Mais c'est de pire en pire, ce jeu. Oh mon dieu. Par contre, les cinématiques, elles sont magnifiques. C'est un putain de dessin animé, le machin. Super. On a mis Fortune sous maître, ça y est. Oh mon dieu. Ça part loin, les copains. Oh merde. Oula. Oula. Et elle est morte. Ah. Bah, je crois qu'elle est morte, ça y est. Assommée là. Oh putain. Ça explique des trucs en même temps, ouais. Wow, je crois que c'était pas un bonbon à l'amande du tout. Tu vas bien, Miss Fortune? Oui, ça va. Elle a encore vomi par terre. Attends, je vais checker. Elles sont vraiment trop caquantes, ces petites voitures. C'est tellement mimi. Je peux voir un peu plus loin ce qui se passe ou non? Regarde-les, avec leurs petits cocktails et leurs petits habits. Ils sont vraiment trop mignons. Excusez-moi, est-ce qu'une petite lady comme moi peut entrer? Non, je suis pas assez importante. Ah bon? Ok. T'as entendu ce qu'il a dit, monsieur Lavoie? Il va falloir qu'on trouve une autre issue, du coup. Putain, le bâtard, il m'a pas laissé rentrer. Qu'est-ce que c'est encore que... Oh, il y a une petite mémé. Hé, hey, regarde cette dame. Je crois qu'elle a des ennuis. Oh non, je crois que je la reconnais. C'est la propriétaire du club qui est là-bas. Vraiment? Oui, on dirait qu'on lui a volé quelque chose. Hé, hey, je parie que c'était le hamster avec le masque noir. Oui, il avait un sac bleu. Oui, tu as raison. On dirait que tu as aidé le criminel à s'échapper. Oh mince, ça veut dire que je suis criminel moi aussi? À ton avis, bien entendu. Oh, c'est vrai. S'il te plaît, ne dis pas que c'était moi. Je ne le révélerai ton secret à personne. Merci. Putain, le fait qu'on les fasse s'embrasser, vous avez vu? Du coup, comme je m'en suis mêlé, eh ben du coup, ça m'a impliqué dans l'histoire. Voilà. Voilà. Ah, vous avez vu les séparer, ils ont fait des bisous et ils se sont barrés en courant. Bah voilà.
Bah, du coup, je vais chercher le sac de l'autre sens. Parce qu'ils se sont barrés de l'autre sens, hein, de souvenir. Putain, ils ont réussi à se barrer. Genre, vraiment. Pardon. Bon, du coup, on va voir mamie et on va pas lui dire que c'est nous. Hein. Excusez-moi, vous avez besoin d'aide? Non. Ok. Miss Fortune, il faut encore qu'on trouve une issue. Le bonheur éternel t'attend toujours, tu sais. D'accord, je vais chercher. Ouais, va chercher, ouais. Il y a un bouton, là. Je me demande à quoi sert ce bouton. Oh, une échelle. Tiens, une échelle, trop cool. Bien joué, Miss Fortune. Tu as trouvé la sortie. Merci. On monte à l'échelle. La mamie, elle a glissé sur le vomi et est tombée dans la crevasse. T'imagines? Ça se trouve, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, il y a un panneau stop. J'aime pas trop ça. Ah, il y a des noisettes. Eux, ils sont plus gros, là! Ça me rappelle un film que j'ai vu à la télé. Scarface? C'est des méchants, j'en suis sûr. Je crois que tu as raison. Si on veut continuer, il va falloir qu'on libère la voie. Mais comment? Tu vois cette alarme anti-incendie là-bas? Il faut qu'on arrive à la déclencher. Oui, mais comment? Avec un lance-pierre. Quel lance-pierre? Celui-là. Ah, celui-là, ok. Non mais la voie, elle me jette des trucs comme ça. Oh regarde, je pourrais utiliser ces glands comme munitions. C'est une excellente idée, Miss Fortune. Je sais, merci. Viser avec le stick gauche. Quoi? Oh la vache. Référence à la Casa del Papel. Bah je pense plus, tu vois le poster, c'est Scarface. Je pense que c'est plus une référence à Scarface. Oupsie. J'ai tiré sur le mec. Almost there. Putain. Et les autres, ils se prennent des glands depuis tout à l'heure, mais tout va bien. Fail. Yes. Allez. We did it. On a réussi. Bravo, Miss Fortune. Yay. Youhou. Ouais. Disait. Du speed pour écureuil? Trop bizarre. Comment tu sais ce que c'est, toi, du speed? Ça ressemble aux objets scientifiques que papa a installé dans la cave. Quoi? Je sais pas pourquoi, mais ça avait rendu maman très en colère. Oh, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est de la drogue. Ça doit faire beaucoup d'argent. C'est ça le bonheur éternel? Oh non. Oh non. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Maman, elle dit que l'argent, c'est la seule chose qui la rend heureuse. Oh, putain. Eh bien, ta maman a tort. Oh, c'est vrai? Ok. En attendant, les gars ont aucune sensibilité corporelle. Mais grave. Je leur ai tiré 40 fois sur la gueule, mais tout va bien. Bon, bah, let's go, hein. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais c'est très drôle. Et vous, de l'autre côté de l'écran. Écoutez, je sais que ça doit être dur pour vous d'avoir aussi peu d'informations pour l'avenir de notre petite demoiselle. Miss Fortune va-t-elle vraiment mourir? Si oui, comment et surtout quand? Se fera-t-elle tuer par le méchant renard? Trouvera-t-elle le bonheur éternel? En tout cas, moi, j'espère que oui. Faites comme si de rien n'était, elle arrive. Oh, Miss Fortune, tu as réussi, félicitations. Merci. Où est-ce qu'on est? On se rapproche encore un peu de ta récompense, le bonheur éternel. Tant mieux, parce que je ne suis pas censé être dehors aussi tard, tu sais. Ne t'inquiète pas, ce n'est plus très loin. Super. T'as vu, on dirait que c'est elle sur le missing.
J'y ai pensé vite fait, on dirait un petit peu elle, ouais. Regarde, un enfant disparu. Ça y ressemble, mais je crois pas que c'est elle. J'aime pas ça, je crois que je devrais rentrer chez moi. Ciao. Ne pars pas maintenant, Miss Fortune, je te protégerai. Ah si, c'est elle. C'est vrai, oui. Alors d'accord. Bon ben, putain, la tête des gens dans les voitures, vous avez pas... Ouais, les yeux blancs, ouais. Bonjour. Ah. Elle a tes yeux, ouais, complètement, ouais. Les gens, ils portent des masques chelous. Ça sent le caca des fesses. Miss Fortune. Miss Fortune, attention à ce que tu dis. Pardon. Bon, en gros, ça sent la merde. Fantasmagoria. Oh, un monocycle, t'as compris? Très amusant, Miss Fortune. Merci, ouais, ouais, t'es très drôle, ouais, connasse. Il va y avoir Fantasmagoria à Open Fields. C'est génial. On aura peut-être le temps d'y aller plus tard, qui sait? Attends, ne joue pas avec mes sentiments. Concentrons-nous d'abord sur la recherche du bonheur éternel et on verra après. D'accord, j'ai trop hâte. Regarde, c'est Benjamin, aussi à l'aise en ville que dans les bois. Tu sais, si jamais tu voulais qu'on se promène ensemble, je serais d'accord. Ne t'approche pas de cette bête sauvage. Je te l'ai déjà dit, les renards sont dangereux. Attends, laisse-moi faire. Benji, est-ce que t'es un renard sauvage ou dangereux? Non, Benji, t'en vas pas! Laisse donc cette bête sauvage s'en aller. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. D'accord. Ouais, je sais pas, le renard, il est... Qu'est-ce qu'il a écrit, là? Oh, c'est les dessins de Benji. J'ai jamais vu d'œuvre d'art aussi belle que ça. C'est tellement personnel. Je savais pas que Benjamin était si créatif. Créatif? On dirait que ça a été peint par un gamin. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, je ne voulais pas dire ça comme ça. Hé, tu ne penses pas qu'on devrait se concentrer sur la récompense? Je suis concentré. Oula. Est-ce qu'on va passer par le parc? Oui. D'accord. What? Va moins vite, abruti! Miss Fortune. Quoi? Pas de gros mots. Oh, pff. Le mec, il a bombé comme un taré dans l'autre sens. Là, c'était n'importe quoi. Monsieur la voix? Oui, Miss Fortune. Il y a déjà des gens qui sont arrivés à la fin du jeu et ont trouvé le bonheur éternel. Oui, bien sûr. Et ils ont vécu heureux jusqu'à la fin des jours. Quelle chance! Tu sais quoi? Si je veux gagner la récompense, c'est pour ma maman. J'aimerais vraiment pouvoir lui donner un peu de bonheur. Mes paillettes ne marchent pas sur elle. Ah, oh, c'est très gentil de ta part. Merci. Tu veux essayer mes paillettes, toi? Ce n'est pas nécessaire. Oh, mais si, voyons. Tiens, un peu de joie pour Monsieur Lavoie. Bon, eh bien, merci. Eh bien, allons chercher la récompense et rentrons et rendons maman fière de toi. Oui. Par contre, tous les oiseaux qui meurent derrière elle, on en parle ou pas? C'était un peu bizarre, là. Du style, toi, Tommy, qui parle à elle, Miss Fortune. Ah, condolie. Ah, peut-être, ouais. En mode quatrième mur. Ok, on a encore changé de lieu. Putain, ça change tout le temps. Ça dit, ne pas nourrir les oiseaux. Ah, ok. Il y a plein de jolis poèmes écrits sur le banc. La mort vit et elle te mange de l'intérieur. Signé N. Intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Miss Fortune, Miss Fortune, tu as vraiment besoin de lire ces poèmes? On les lit, non? Il doit y avoir des messages secrets. T'as même pas relevé les dessins et messages du renard. Si, si, on les a regardés, mais... Moi, alors, ce que j'ai relevé, je vous l'ai pas dit, mais ce que j'ai relevé tout à l'heure sur les dessins, la tête de cerf, là, qu'on a vue, ça ressemblait un petit peu à l'ombre qu'on a vite fait vue au début du jeu. Mais je pense qu'on va avoir quelques réponses d'ici peu de temps. Bon, allez, on va lire les poèmes. Oui, écoute celui-là.
J'ai des boules qui pendent trop bas. C'est pas si... D'où est-ce qu'elles peuvent bien pendre? Oh, regarde, quelqu'un a dessiné un chat. Allez, Miss Fortune, allons-y. D'accord. J'ai des boules qui pendent. C'est quoi, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde cette mouette, elle ressemble au père de Kevin. Qui ça? Il s'asseyait souvent dans le bac à sable qu'il y a à côté de mon école. Mais comme il était toujours tout nu, un jour le policier l'a tapé avec son bâton. Dommage que tu n'aies pas de poisson à donner à la mouette. Elles aiment les poissons, tu sais. Tu essayais de me faire sentir coupable pour le poisson tout à l'heure? Putain, on a laissé le poisson. C'était une décision difficile, mais je ne la regrette pas. Je comprends, Miss Fortune. C'était juste un commentaire. Ouais, bah c'est pas utile. La voix, en fait, elle me fout dans la gueule toutes les décisions que j'ai prises et qui marchent pas. Elle me file que le négatif. C'est ce que j'ai dit au début qu'elle était morte. Ah, est-ce que tu aimerais monter sur le cheval royal? Bah oui. Cheval royal, tu dis? Je suis une petite princesse, tu sais. Regarde comme je monte à cheval. Hé, cheval, doucement. Hé. Mais comment elle fait pour se casser la gueule tout le temps? J'ai même pas fait exprès. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Tu t'inquiètes parce que je suis une toute petite lady? Bien sûr. Tu es si petite que tu pourrais te casser quelque chose. Je me suis déjà cassé le bras une fois. Tu vois ce que je veux dire alors? Vu que le père battait la mère. Oh la vache. Waouh, t'as vu ce canard? Allons-y, Miss Fortune. Il vaut mieux ne pas chercher les problèmes aux canards. Mais non, dis pas de bêtises, c'est trop cool les canards. Regarde, il a un poste radio, ça pourrait être ma chance de danser vraiment pour de vrai. Je te dirais de me montrer comment tu danses? Qu'est-ce que je fais? On danse ou on laisse le canard danser en premier? Honneur aux dames. Bon bah allez, on danse alors. Bien sûr, regarde un peu. Check this out. Ça va. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien vu d'anormal. D'accord, si tu le dis. Ouais, c'est juste le canard qui m'a craché à la gueule, mais bon. Tu veux essayer celui-là? C'est comme si tu étais dans une tornade. Elle va encore se casser la gueule. Mais juste pour le bonheur, oui. Oui, je veux l'essayer. Allez, casse-toi la gueule. Faut que ça s'arrête! Et voilà. Oh non, Miss Fortune. Et la voix qui se fout de sa gueule, c'est en plus, putain, quel connard. Et la deuxième. Quand les arbres sont nus, quand le vent est froid, quand l'odeur des pommes pourries tombées de l'arbre fort flotte dans l'air. When the smell of rotten apples smashes. Apple pie. Une bonne tarte aux pommes. De quoi est-ce que tu parles, Miss Fortune? Nothing. Oh, de rien. Ah tiens, à nouveau les dessins là. Ça ressemble au dessin de Benjamin, tu trouves pas? Je trouve surtout ça horrible et que ça devrait disparaître dans les flammes. C'est vrai, mais moi je crois beaucoup. Ça se voit qu'il aime l'art en tout cas. Ignore donc ça et continue à jouer à mon jeu. La récompense est plus proche que tu ne le crois. C'est vrai, d'accord. J'ai un peu peur, moi, en fait, de cette surprise, parce que depuis tout à l'heure, il me fait miroiter une surprise depuis tout à l'heure, le scénariste, là. Et pour moi, ça pue la merde, en vrai. Je sens que le bonheur éternel me tend les bras. Parfait. La dernière épreuve t'attend au cimetière d'animaux. Le cimetière d'animaux? Ça me semble être l'endroit idéal pour terminer le jeu. Oui, n'est-ce pas? Heureux de voir que tu penses comme moi. C'est trop beau pour être vrai. Non, mais clairement. Et la voix, tu sais, elle a un côté un peu sadique, tu vois, un peu... Ouais, tu vas voir, la surprise est juste là-bas. Clin d'œil. Il y a des corbeaux qui restent en vie. Ouais, c'est vrai, ça, ils meurent pas tout le temps. Je comprends pas non plus ce principe. Tu sais, je me demandais, pendant qu'on marche, ça t'embête si je te pose quelques questions? Non, bien sûr, j'adore ça, répondre aux questions.
Génial. Réponds le plus honnêtement possible, d'accord? D'accord. Alors, première question. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose? On va rester honnête, je vais mettre non. Non, jamais. Jamais. Bravo. Deuxième question. Est-ce que tu es heureuse en ce moment? Bah oui. Oui, enfin, il se passe plein, rien de mal en ce moment, c'est ça qui me rend heureuse. Passons à la dernière question. Est-ce que tu te sens aimée? Non, le malicorne me dit souvent que je dois faire des efforts. Je suis sûre que tout le monde m'aimerait si j'étais une licorne. Merci pour ta franchise. Oh, de rien. Regarde, on est arrivé au cimetière d'animaux. Super.